Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode pour une tentative d'évasion de la prison de Wendigo qui s'appelle Duralex Sedlex. J'appuie tout de suite sur charger parce que ça va être un petit peu de temps en espérant que ça marche également au niveau de ma capture parce que là j'avais essayé de filmer avant. Au bout de 6 minutes j'ai vu sur mon aperçu ici sur le côté que c'est en train de laguer à mort donc là je retente en fait, j'ai remodifié des choses et je réessaye et on verra si ça marche hein, cette fois-ci. Alors, je vais prendre mon petit texte à lire. Donc, déjà, je préviens également que la prochaine vidéo, ce sera sur la prison de Tuto Facile 48. Et là, donc, Wendigo me dit « Je vous propose d'utiliser ma prison dans une de vos vidéos, que ce soit pour une évasion ou un autre projet. Elle s'appelle Duralex Sedlex. Je précise que ce n'est pas une prison anti-Benoît, mais il n'empêche qu'elle risque d'être difficile. » Aussi, je comprendrai que vous ne la sélectionniez pas pour vos vidéos, car vous avez des contraintes de rythme et de temps d'épisodes qui seront peut-être pas compatibles avec ce centre pénitentiaire. Ouais. Bon, tu vois, j'ai choisi quand même, en fait, j'ai pas choisi, je l'ai fait dans l'ordre où elles arrivent. Hein. J'ai créé et revendu quelques prisons avant la sortie de la version 1.0 de Prison Architect, ce qui m'a permis de commencer cette prison en version 1.0 avec un capital de 1 600 000 $. C'est mon premier essai avec les gangs, les événements aléatoires. Elle a un peu plus de 80 jours de fonctionnement. C'est une très grosse prison d'environ 560 places de cellules. 40 pour les risques faibles, 20 pour les à protéger, 360 pour les normaux, 119 pour les hauts risques, 22 pour les très hauts risques, et 3 pour la peine de mort. Et quelques places en cellules partagées. Elle n'est pas complètement pleine. Il me dit qu'il s'est fait avoir une fois avec un événement aléatoire où on récupère des détenus non prévus. Chaque catégorie de prisonniers a son propre bâtiment, sauf pour les risques faibles, les prisonniers à protéger et la prison temporaire qui partagent la même zone. Le rythme de la journée pour presque tous, 22h, 5h, dodo, et le reste de la journée sans confinement. Donc ça, c'est très bien pour moi. Attention, les très hauts risques ont 10 heures de cellules par jour. Il vaudrait mieux éviter d'être classé dans cette catégorie. Petit message personnel pour moi, donc j'essaierai de faire attention. Tout cela est surveillé par 360 gardiens, 60 maîtres chiens, 14 gardes armés. Tout incident provoque la fouille du prisonnier et de sa cellule. J'ai eu un évadé pendant la construction et je trouve régulièrement des petits bouts de tunnel lors de recherches que je déclenche. Il y a un gros maillage pour l'extinction des feux. J'avais eu le cas d'un incendie énorme dans une prison précédente. J'ai retenu la leçon. Donc voilà. Ça, c'était son petit texte. Tac, moi je suis toujours là, voilà. Pour l'instant, je vois que ça ne lag pas, donc c'est plutôt bon signe. Alors, je vais avoir une cellule, du coup. Bon, tout à l'heure, quand j'ai filmé, j'avais une cellule en bas, maintenant j'en ai une en haut. Mais je vois que j'ai toujours une cellule de 2 par 2, une toute petite. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que ça va donner. J'arrive la nuit, donc il faudra faire du dodo. Hop, je fais mon dodo tout de suite. Et donc voilà, donc on va essayer de voir, c'est quand je suis sorti de la cellule que ça a commencé à laguer sur le côté, donc je surveille avec mon œil de pigeon comme ça sur le côté. Là je demande à ce qu'on m'ouvre, on va essayer de voir si ça marche. Vous avez vu également, j'ai remis mon nom ici, hein. J'ai réussi à le refaire. Alors on peut m'ouvrir, merci. J'ai trop peur que ça lague là, et que je puisse plus faire des vidéos, là. Ce serait vraiment chiant. Alors, on va essayer de retourner un petit peu sur le début en même temps, je sais pas où je suis. Bon, je vous précise aussi que sur mon écran ici, je vais pas dire que ça lag, mais ça a une tendance à pas être fluide, on va dire. Hein. Donc c'est parce que cette prison est immense aussi. Je sais même pas où je suis. Hein. Tu vois, là je suis perdu. Donc ici on a un grand atelier, une salle de nettoyage, une bibliothèque, une cantoche, plein de cellules sur le côté. Et tout est deux par deux en plus. Hein. Bon, t'as vu déjà le temps que je mets pour traverser ici. Donc on a une cantoche. Là, je sais pas s'il faut faire des pauses. Alors là, je pourrais passer. Mais j'ai eu le tour tout à l'heure quand j'ai essayé, donc je le sais. En fait, ici, voilà. Donc là, il y a deux cases où j'ai pas le droit de passer. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est pas fait exprès? Je sais pas. Mais en tous les cas, je peux pas aller au début. Donc ce qui fait que je peux pas aller au parloir. Je peux pas aller dans la cantoche. Elle est pas pour moi. Alors peut-être que c'est pas pour moi. Non, c'est sûrement pour eux, en fait, pour le risque à eux. Donc ce qui fait que j'ai pas le droit d'aller. Donc du coup, comme j'ai pas le droit, je n'y vais pas. Hein. Pour l'instant, je suis discipliné. Alors, on a une cour. Une grande cour. Alors, ouais, elle est immense. Une salle de courrier où il n'y a personne dedans. Tout le courrier reste dehors.
Une salle de prière avec des courriers à l'intérieur, j'ai eu l'impression. La salle du personnel où j'ai pas le droit d'aller. Apparemment, au niveau des salles, c'est bien réparti. Celle où j'ai pas le droit d'aller, bah, j'ai pas le droit d'aller. Et les autres, bah, j'ai le droit. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt bien. Là, je ne vois aucune faille de sécurité. Il y a des gardiens partout. D'ailleurs, il y en a un là. Ouais, je peux pas passer. Merde, c'est vrai que tout est comme ça. Il n'y a pas d'automatisation des portes, hein. Parce que là, j'aurais bien voulu casser des trucs. Avoir des points. Putain, j'ai toujours un point. Et si je le tape un peu, j'aurais pas du point. Ah, c'est bon, un point. C'est bon, je me rends. J'en ai eu que deux, hein. C'est pas énorme. Ah ouais, c'est vrai, je pense si ça n'a pas été réduit. Parce que là, je vous rappelle que je suis donc sur la version 1.0 avec l'update 1. Donc, ça veut dire que bah, les coups de fusil à pompe et tout ça, les pistolets et les munitions sont comptés. Je casse des murs, je casse des objets, je tue des mecs, tout y revient à la normale. Donc ça risque d'être plus chaud. Donc je pourrais pas forcément sortir par la grande porte. Alors je pense que j'essaierai plutôt de faire une évasion par tunnel. En sachant qu'ici, voir que je creuse bah, par là, ici sur la gauche. Hein, si je veux faire ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup à creuser. Hein. Donc il faudrait que je me fasse des compagnons de route. Et pour faire des compagnons de route, il faut que je fasse du grabuge. Et pour faire du grabuge, il faut déjà que je me fasse un copain pour se dire que si je meurs, eh ben, je ne perds pas. Alors je sais pas trop où je peux aller attaquer. Parce que là, ouais, il y a du gardien partout. Les sanctions, on n'avait pas vu dans cette session-là, mais j'avais déjà essayé. C'était déjà assez conséquent. Est-ce que ici, peut-être, je pourrais plutôt casser. Parce que... Ah ouais, attends, et la cantine, faudrait que je vois si je peux pas piquer des couteaux. C'est Polo. Je sais pas où c'est. On a encore une cantoche là. Ah non, c'est un parloir. Je raconte des conneries. Hein. Donc il y a un parloir ici. Et la cantine. Le. Ouais, la cantine. Le... Non, pas la cantine. La cuisine, elle est où là? Il n'y a pas de cuisine dans ton truc? Parce que là, il y a ça. La bibliothèque, la salle de nettoyage, machin. Comment t'as fait ton compte là? Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient à côté. Putain, ouais, donc si c'est ça, on verra après quand on chargera la carte pour montrer comment qu'elle est faite. Et si c'est ça, c'est pas mal pensé parce que du coup, je peux pas, bah, je peux pas accéder à la pièce en fait. Alors, tu sais quoi? Déjà, je vais foutre un peu la merde. J'essaie de faire ça. Je dois piquer un petit briquet. Ouais, bah déjà, je vois, le jeu il rame un peu. Donc la vidéo, ça va. Mais c'est le jeu en fait hein, qui rame un peu parce que la carte est grande. Alors, du coup, bah, j'ai mon petit briquet. Ouais, on va peut-être essayer de déclencher l'incendie. De toute façon, ça sera reconstruit, donc c'est pas trop grave. Je vais faire ça dans un coin. Tac, tac. On va aller se mettre bien loin pour que les, comment s'appelle, les pompiers mettent du temps à arriver. C'est qu'il y a des gardiens partout. Ça m'ennuie en fait. Hein. Là, je voudrais passer par là. Voilà. Je suggère que je foute le feu d'ici. Pour voir un petit peu, hein, pour vous rappeler des souvenirs quand je foutais le feu. Allez, hop, il y a du feu, il y a du feu. Est-ce qu'il y a toujours le bug du feu? Il y a toujours le bug du feu. Hein. Ah, je me suis pris du dégât. J'arrive pas à mettre le feu. Ouais, donc là, le feu, il se fait éteindre. Tac. En fait, tu vois, en fait, le bazar est en train de tirer. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Hein. Donc lui, le brin, ouais. Vas-y, je veux mettre du feu. Ouais, j'arrive même plus à en mettre du feu, là. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a le sprinkler qui gicle, peut-être. Ah, merde. Bon, voilà, j'ai été attrapé. Bon. Même pas un point en plus, tu vois. Même pas une émeute, rien du tout. Donc on verra comment que ce sera reconstruit. 16 heures de pénitence. C'est déjà beaucoup. Ça rame pas. Du coup j'ai peur, hein. Je check à chaque fois. Là ça va, ça rame pas. Alors on me laisse sortir. On va aller voir un petit peu les dégâts que j'ai occasionnés. Et on verra sûrement la reconstruction s'effectuer. Voilà, bah, tu vois, tout est déjà reconstruit. Il y a même pas... En fait les mecs ils viennent même pas reconstruire, c'est bon. Tu vois, tout est revenu à la normale. Donc maintenant le feu c'est un usage très limité quoi, faut pas se faire attraper quoi, faut arriver à passer sans se faire attraper. Non d'ailleurs c'était pas là, c'était plus bas. Il se ressemble, ah c'était là. Ouais.
Ouais, donc je raconte des cracks. Bon, tu vois ici c'est cassé, mais bon, ils vont venir reconstruire, hein. Et je peux pas passer. Je peux passer par là, d'accord. Les gardiens, ils sont tous là. Ouais, bah du coup, faudrait que je m'attelle au creusage. Donc, il faut que j'aille chercher de quoi creuser. Et faut que je trouve un atelier, du coup. Hein. Je me serais bien fait un copain, quoi, pour dire de pouvoir creuser. Mais j'aurais bien voulu avoir des points aussi. Il me faut du point pour pouvoir passer la sanction au cas où, parce que si je creuse mon tunnel, bah j'aurais pas forcément des points. Attends, je sais même pas où est-ce qu'il y en a d'ailleurs. Voilà, on va essayer d'entrer dans un truc. En cas personne, je vais essayer de casser des choses. Un point, deux points. On attaque le chien, trois points. Ouais, c'est bien. Allez, on attaque un petit peu. On attaque un petit peu. Là, on attaque des trucs. Nickel. Ah, je suis passé à travers le grillage. Bon, voilà, je me suis fait un petit peu de points. Ça rame également pour me mettre mes points. Je vais passer la sanction. Ça, je pourrais me faire un copain. Avec un copain, je pourrais creuser plus facilement. Donc, je vais peut-être prendre le copain dans la cellule à côté. Il n'y a personne. Ah, il y avait du tunnel là. Là, il y avait du tunnel. Ah, lui, c'est un gang. Mais 12 points aussi. Un point. Allez, bah, toi, je voudrais toi en copain là, mais. Hop, t'es mon copain. Ah non, mais je... eh, attends, je suis con aussi. Je vais aller par là. Vas-y, ouvre-moi. Open me. Voilà. Je vais prendre quelqu'un qui a sa cellule ici au bord. Et je vais m'en faire mon copain. Comme ça, j'aurai moins à creuser déjà. Je ne... Ah bah lui, voilà, lui il est là. Nickel. Moi, je vais te faire mon copain. Ouvre-moi. Voilà. Ellison, c'est mon copain. Pourquoi j'ai encore passé sanction là? Ah, c'est lui qui a une sanction. Merde. Bon. Je vais sûrement me faire attraper. Vas-y, moi je voudrais pas Sei. S'il te plaît. Et lui, combien? 4... Lui, il coûte 4 points, ouais. Et toi, tu coûtes combien? 3 points. Le projet 2 points. Ou bien je me prends encore un copain, ça on creusera encore plus vite. Mais attends, faudrait que ça se calme un peu là. La vision, je me veux un mec à 2 points. Voilà. Comme ça, j'ai deux potes. Allez, viens, on va aller foutre un peu de grabuge. Là, c'est repas. Et si on essaie de déclencher une chotte émeute en même temps, hein? Ça se faire plaisir, autant se faire plaisir. Oh putain, le monde! Wow, bah alors, et si ça rame pas, je comprends pas là. Il est où mon bonhomme? Je sais même pas où il est. On va se mettre bien en haut, comme ça on sera bien loin des trucs. Mes copains, ils sont là. Et puis on attaque. Alors, on attaque un petit peu tout le monde. Un point. Allez, on attaque tout le monde. Tac, tac, tac. On va lancer les meutes, là. Merde. On est inconscient, on est inconscient. On attaque tout, on attaque du monde, on attaque du monde. Faut énerver tout le monde, là. Faut énerver tout le monde. Allez, allez. Merde, tiens, on est tous inconscients. Putain, un point, hein. Eh, il y a un sacré monde quand même dans cette prison. On va déclencher les meutes ou pas, non? Visiblement, non. C'est con, hein, ça aurait été bien, ça. C'est que le monde qu'il y avait. Allez, bon, on va essayer de choper de quoi creuser. Du coup, faut que je trouve... Il va falloir que je trouve l'atelier. Ok, en haut. Ah, voyez-le, ouais. Putain, ça rame, là. Allez, ouvrez-moi ici. Tac, merci. Alors, on va se prendre de quoi creuser. Par contre, on a des... Des trucs qu'il faudrait qu'on sorte et qu'on aille planquer tout de suite. En sachant que là, j'ai pas de points. Ah ouais, merde, j'ai pas de points pour faire aussi, là. Parce que là, si je me fais attraper... Ça va être chiant. Paf, hop, voilà. On attend pour... vite, 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 vite. Dépêche-toi, je peux... Allez, arrêter le combat. Voilà. On s'est pris un peu de points.
On a 2 points. Du coup, je vais pouvoir passer la sanction si jamais il y a du grabuge. Et du coup, bah, il n'y a même pas, il n'y a rien à prendre, non? Bah vas-y, je voudrais des outils, moi. Je peux pas avoir des outils. Merde. Bah alors. Bon, bah vengeance. Allez, on attaque. On arrête le combat, ouais. Bah non, je peux même pas avoir des outils, là, je comprends pas. C'est pas normal. Peut-être parce que j'ai cassé la salle, justement. Et du coup, quand on casse la salle... Ah bah regarde, il va réparer, lui. Moins que je le zigouille. Paf, 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 paf. Allez, elle est morte. Voilà, c'est pris du point. Allez, on arrête le combat. Voilà, c'est bien, ça fait du point, là. Bon, bah finalement, tu vois, on a réussi à avoir des points. De la rapide, de la résistance. Ouais. Ah, voilà, là, les mecs, ils viennent aider. J'ai envie de faire ça pour déclencher une émeute, là. Allez, hop, on se met du point d'instigateur. Et du mortel. C'est utile. Voilà. Donc là, on va les aiguiller, eux. Paf, paf, paf. Allez, on tue, on tue. On arrête le combat. Voilà, avant que ça dégénère. Paf, lui, on rattaque. Paf, paf, on le tue. On le tue aussi. Merde, on va devoir se rendre. Donc du coup, on tue le policier. Paf. Et voilà, on chope une arme. Voilà, une matraque, c'est bien la matraque. Paf, on tue des policiers. Paf, paf. Paf, paf, paf. Allez, oh putain, il y a du chien. Je vais pas mourir. Paf, j'ai tué un chien. Bam, voilà, inconscient. 17 points, bah voilà. C'est ça qu'il faut. Ah merde, du coup, on va passer en rouge. Ah, là, 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 là. Je suis passé en rouge, fallait pas. Enfin, je crois qu'il fallait pas. Bon. Du coup, avec cette version, je vois qu'il y a quand même moyen d'avoir des... Bah, de quoi faire, en fait, hein. Je suis où, là? Ah, je suis près de l'entrée, j'ai l'impression. D'accord. Près de l'entrée. Là, on a... Putain, on a l'armurerie juste en face, là. Non, mais j'hallucine, quoi. Voilà, donc là, j'ai pas envie d'aller. Là, c'est le quai de livraison, d'accord. Je vais appeler mes poteaux. Du coup, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai accès à plus rien en fait. Ah si je peux descendre ici en bas. Ah bon c'est peut-être pas une mauvaise chose. Alors on a un parloir. Là, là j'ai pas le droit d'aller. Les rouges, et du coup les rouges peuvent que peuvent approcher les jaunes. Hein. Une infirmerie, une salle de sécurité. Ouais bah du coup bah, si je peux jamais prendre des armes ça va pas le faire là. Salle de nettoyage, je sais pas ce que c'est. La buanderie, salle commune. Magasin, buanderie. Bah du coup j'ai plus accès à un atelier, d'accord. Bah je me suis fait carotte en fait hein. Mais bien bien carotte hein. Bah, c'est la cantine. Eh sérieux elles sont où tes cuisines là man? Bah je les trouve pas hein. Et la salle de sécurité. Peut-être moyen d'avoir les clés de la prison. Oh merde, y'a du monde là. Allez, tue du monde. Profite pour tuer, hein. Bah voilà. Ça fait des points. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, il y avait des mecs là. C'est un peu con, hein. Alors, donc on est là, mais on peut pas creuser, hein, donc c'est nul, ça sert à rien du tout. Ah bah, y a une cantoche là. Bah, comment je peux faire, alors moi, je peux pas m'évader, alors. Donc si je peux pas m'évader, hein. Je vais appeler mes copains. Et même des armes, attends, j'ai quoi comme arme? Ouais, non, du coup, faut que j'attaque là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a du monde, ça m'ennuie. Ça m'ennuie qu'il y ait du monde. On va se mettre de la résistance au taser.
déjà. Et de l'habile bagarreur. Voilà. Redoutable avec les points. On peut être redoutable avec les points puisque là pour l'instant on n'a pas d'armes. On va se mettre ça. Pour la rapidité c'est peut-être pas utile. Bon mes copains je sais pas où ils sont là. Ah toi ils ramènent la bouffe. Ah donc lui il arrive le premier. Donc on va essayer d'attaquer le bonhomme. Ah putain regarde c'est bon il y a moins de gardes. Du coup, bah ouais, c'est ça en fait. On va devoir faire une sortie en force en attaquant les gardes en espérant qu'on va pas mourir. J'aurais bien voulu avoir un copain en plus. Ce serait pas mal quand même. Parce que plus on est de fous, plus on rit. On peut m'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à côté? Lui. Il vaut 5 points. Il est déjà fort. Toi, tu vaux 4 points. Mais t'es conne. On va prendre la conne. Allez, vas-y. 4 points. Voilà. Tac, allez, je te mets. Est-ce que j'investis en toi là? Tiens, je te mets un point, un point. Voilà. Tac, voilà. Donc on est. On se sent un peu plus fort là. Ah ouais, c'est ça que le jeu il avance pas. Si je mets pas plus vite. Ah putain, il y en avait un là aussi. Et toi, t'es quoi? T'es 9 points, tu vois. Ouais, on apprend, on en a plus. Bon, c'est pas grave. Donc on va le zigouiller lui là. Allez, bam. Paf, on prend les clés. On prend une arme. Merde, j'ai été eu. Allez, on va tenter de faire une percée pour voir ce que ça donne. En tapant, là. Oh putain, il y a du monde, là. Il y a du monde. Paf, paf. Allez, paf. Oh putain, j'aurais pu prendre une arme, là. Allez, on casse, on casse. Oh putain. Ah, il y a moyen, en fait, hein. Ah, merde, j'ai un mort. Voilà. Du coup... C'était pas mal l'idée, mais putain, il y a le nombre de gardes qui est arrivé. On a quand même tué du monde. Et je sais pas s'ils vont revenir instantanément ou s'ils reviennent par la suite, quoi. Alors, 4 points. Il me faut encore des mecs, là. Ah, c'est bien, il y en a 2. Voilà, toi, t'es mon copain. Et toi, attends, te barre pas, là, te barre pas. 8 points, après, j'en ai plus. Bon encore, hein. Ouais, bah, je vais le prendre quand même. C'est pas grave si j'ai plus de points. Tac. Alors voilà, donc tout le monde n'y suit pas. Voilà, je demande à tout le monde. Donc là ici ça fouille du coup comme on a fait du grabuge. Donc du coup, on va peut-être pas faire les cons. Ou faudrait peut-être forcer en fait. Quand dès que ça ouvre, paf, on passe et on attaque. Que tous mes copains ils soient là. Donc 1, 2, 3, 4, ils ont 1, 2, 3, 4. Ok, on est tous là. Et là, bah dès qu'ils ouvrent, hop, on force. Ah merde, ils vont en haut. Mais c'est parce qu'après, en fait, avec les camions, en fait, pour les portes, c'est toujours pareil, comme on n'a pas d'armes. On peut pas passer, hein. Y'a personne qui veut ouvrir là? Lui il va bien passer. Non, même pas. En plus, ça va être la nuit là. Ouais, tiens, j'aurais peut-être dû passer. J'aimerais bien que les deux portes soient ouvertes, ça, ça passerait plus vite. Ouais, bah regarde, ça va être la nuit, je pense. Eh non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. On m'a poussé, je te jure, j'ai rien fait. Merde. Du coup, je suis qui, là? Là, hop, passer la sanction. Hop, je rappelle mes copains. Peut-être que ce sera mieux au petit matin, en fait, quand c'est l'arrivée de tout le monde. J'aurais bien voulu coincer la porte. Et du coup, si j'ai chopé une arme, faut que je fasse attention. Faut pas que je tire n'importe comment. Ah, mais les mecs, ils me poussent en plus, t'es. Il y avait moyen là. Eh vas-y, il y avait moyen de sortir les mecs là. C'est bon, vous êtes tous là là, hein? Non, il manque encore un. Il est où le dernier là? Ça y est, bon, il arrive. Alors. Tac, allez.
Là, lui, il ouvre. Allez, on se dépêche, on y va. Bon, je suis mort. Voilà, c'est moi qui est instigateur, donc c'est moi qui est mort. Hein. Donc je m'auto-dégage. On va prendre lui. Hop, on va passer à la sanction. Par contre, je sais pas où il me met, lui. J'atterris où, là? Pas plus près, y a pas une cellule plus près, là? Lui, sa cellule, elle est là. Mais c'est pareil, de toute façon, on peut pas creuser. Repas. Ouais, vas-y, ouvre-moi. On va demander à tout le monde de me rejoindre. Il faut que j'arrive à sortir. Hein. Alors, de mémoire, c'est par là. Non, c'est pas par là. Bon, où je suis? Et c'est par où, là? Ah, il y a un atelier, là. Ok, donc là, il y a l'atelier. Mais je sais pas où je suis. Là, j'ai encore changé de secteur en fait et je peux pas. Je sais même pas si je peux me barrer en fait. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut là pour creuser? Ouais, on a ce qu'il faut. Bon, du coup, je pourrais peut-être pas faire une sortie par la porte principale. Il me faudrait encore un piolet. Un piolet pour creuser. On va essayer de faire un autre truc. Ah ouais, mais là, du coup, comme il l'a mis dans ce sens-là... Mais il y a personne qui veut ouvrir la porte, là. Arrête de fouiller, vas-y, ouvre. Open the door. Sortir, là. Oh putain, ça a pas sonné, nickel. Allez, viens, on va à ma cellule. Ah, mais elle est loin, ma cellule, putain. Je vais recreuser pendant un sacré bout de temps. Là. Mais il y a moyen, hein. Il y a de la bagarre là-bas, je crois. Voilà. Voilà. Là, c'est massé. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, je suis au sommeil. C'est bon. Attends, je vais renvoyer tout le monde. Non, je vais venir... ouais, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Clic droit pour planquer, non. Hop, je prends ça. Clic droit pour commencer un tunes. Alors, on commence un tunnel. Clic droit pour rentrer dans le tunnel. Oh putain. Ouais, mais s'ils viennent chercher les gars. Ouais, bon, arrête de me suivre. Hop, c'est bon, je rentre dans mon tunnel. Alors, faudrait que je mise sur. Sur un côté en fait. Non, je suis plus vers le bas. On va essayer de creuser du coup vers le bas. Donc il paraît que pour sortir, il suffirait que je clique ici là, sur le côté. Ouais, je sais pas. Oh. Il y a déjà un tunnel là. Et le mec a déjà fait son tunnel en fait. Bon, c'est pas grave, t'as qu'à venir m'aider, hein, creuser. Ce serait marrant de tomber sur un tunnel qui a déjà été construit et de pouvoir profiter. Mais regarde, et lui aussi a creusé son trou. Hein. Ou c'est, ça se fait tout seul le trou? Non. Ouais, regarde ça, à chaque fois il y a un trou. Ah non, regarde, ça fait un autre trou là. Voilà. C'est quoi le bruit? Le mode, ça n'a pas été détecté. Hein. On va creuser sur la droite du coup, je vois du gros toyau. Merde, je peux plus. Oh putain. Alors, du coup, pour pas me faire avoir, je vais peut-être profiter de faire ceci. Voilà. Pourquoi j'ai eu deux points? Ah, parce qu'il y a baston, peut-être. Non. Trois points. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait, là?
Ah, y a baston là. Ah, mon tunnel a été détecté là. Non. Ah, y a émeute là. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Je peux pas bouger. Et j'ai une sanction. Ah ouais. Tout le monde il se bat ici. Ah, vas-y, ramène-moi à ma cellule que je puisse faire passer. Pourquoi j'ai une sanction? Je me suis pas battu pourtant. Ah merde, ça rebouche! Oh, les enculés. Bon. C'est pour ça en fait, hein. Hop, on va passer la sanction. Et puis voilà. Donc voilà, donc ils ont tout rebouché, donc ça n'a servi strictement à rien. En sachant qu'ici, donc on a du Toyo qui passe. Et le Toyo, donc j'ai le droit d'aller ici également. Putain, on est loin du bord. Ouais, bah non, on n'arriverait pas. J'arrive même pas à me barrer. Faut que j'ai une cellule ici à côté. Donc je vais me faire un copain à côté. Et je vais pouvoir. Ah merde, c'est vrai, c'est dodo. Oh là 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 là. Bon, on va dire que l'objectif ce sera de faire évader au moins une personne, quoi. Hein. Le reste, tant pis, on n'a pas besoin. Parce que là, on arrive déjà à 31 minutes. Et ça risque d'être encore un peu long. Hein. En fait, il faut que j'arrive à trouver des failles dans cette nouvelle update. Pour pouvoir justement m'évader plus facilement. Allez, oh putain, allez, ouvrez-moi là. J'appelle mes poteaux. Eh, c'est pas moi, je me bats pas là. Eh, je fais rien là. Allez les flics, allez là-bas, je m'en fous. Bon, faut que j'aille me faire un poteau. Faut que je sache qui est-ce qui est... Qui a une cellule que je voudrais, donc une ici par exemple, ça serait bien. On va se prendre... Ouais, on va le mec de cette cellule-là, ça me plairait bien d'avoir la sienne. Mais pour savoir qui c'est, bah voilà, ça va être galère. Ouais, comment je peux faire? Donc là, c'est la douche, faut attendre qu'il rentre. Bon, du coup, en attendant, je vais aller piquer de quoi creuser. Si je retrouve par où il faut passer. Il ne sera pas forcément facile. Ah voilà, c'était là. Là, je demande à ce qu'on m'ouvre. Voilà. Donc tous mes copains, ils viennent avec moi. Du coup, on va choper... je voudrais déjà bah, de quoi creuser, hein, tout simplement. On va prendre ça. Par contre, du coup, il y a la tempo hein, maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo pour le sujet. On va prendre une scie aussi. Voilà. Ouais, mais du coup, si je prends les autres bonhommes, ils vont être appelés... putain, ouais, c'est chiant, ça. Ils vont être détectés, bon. Bah, du coup, je fais ça. Tac, ils vont être amenés là-bas. Merde, je suis détecté. Vite, je me dépêche pour aller planquer la contrebande. Dans n'importe quelle cellule, je m'en fiche. Le but étant d'en mettre, de planquer dans ce qu'il faut. Putain, je sonne partout. Faut juste que ce soit ouvert à un endroit. Voilà, merde, c'était pas ouvert. Vite, c'est ouvert ici en bas, c'est encore mieux. Ici, c'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Putain, il y a du monde partout. Où est-ce que je peux aller? C'est sur la droite, allez, hop. On va essayer de planquer ça ici. Voilà, c'est bon. Merde, et ça, vite. Bon, j'ai au moins planqué une scie, hein, déjà. Ah, putain, c'est lui, c'est O'Brien. 9 points, tu coûtes? Oh là là. Bon, ça commence à me saouler un peu, là. Je vais pas savoir m'évader. C'est extrêmement shogun, tu vois. Bon, après, c'est pas grave. Si j'arrive pas, j'arrive pas. Hein. On peut m'ouvrir, là?
D'ailleurs, j'ai même pas vu la sortie de cette de ce secteur. Je sais pas par où c'est. Ah ouais, c'est là. Eh bah attends, une autre idée. Une autre idée sera avec le briquet. Si je fous le feu au mur, le mur il risque de casser. Et si le mur il est cassé, je peux passer. Attends, bouge pas, je prends juste un briquet, t'en fais pas. Voilà. Là, si je passe là, je vais me faire avoir. Donc, on va essayer de se trouver un secteur avec les copains. Là, c'est la. Attends, c'est pas. Total perdu, moi, dans cette prison. On va se mettre vraiment dans un coin. On va optimiser tout ça. J'aimerais qu'il n'y ait pas trop de gardes. Et qu'il y ait de quoi faire flamber ce qu'il faut. C'est quoi ça? C'est une méga cellule? Ah ouais. Ah, et puis là, on a un outil. Voilà. Par contre, il y a deux sprinklers. Donc ça va pas. Il faudrait qu'il y ait un endroit qui ait qu'un seul sprinkler. Ce sera plus facile à casser. Et là, en bas, ouais, faudrait casser là. Faudrait faire brûler ici. C'est vraiment l'endroit qu'il faut. Par contre, il faudrait que je pète le sprinkler. Donc, pour faire ça, il faudrait que mes copains y viennent. Comme ça, rigueur, je peux péter cette porte-là. Et ensuite, on a une porte là. Après, j'imagine peut-être un moyen de sortir. Et je voudrais juste que mes copains, ils arrivent. Ceux-là, ils sont censés suivre. On va accélérer le temps pour qu'ils arrivent. Allez, 37 minutes. Hey, il y a O'Brien. Bah, tu sais, toi, man, tu vas être là, mais tu vas prendre feu, hein, dans pas longtemps. Allez, les copains, là, viendez, là. Ils sont bloqués ou quoi, là? Parce que faudrait que j'aie mes copains, justement, pour que je puisse sortir. Ce sera plus facile avec eux. Ok, ils sont là. Ah, il y en a un du moins qui est là. Allez, poussez-vous. 1, 2, 3. Ok, tout le monde y est là. Alors, faut tenir la porte ouverte, les poteaux. Moi, je vais foutre. Ah non, avant de foutre le feu. Tac, on faudrait qu'on casse le sprinkler. Par contre, il y a du chien là. Ça me plaît pas du tout. Et que O'Brien se casse. Allez, on attaque le sprinkler. Ah, allez, je prends le briquet. J'essaie de foutre le feu. Allez, le feu, le feu, le feu. Le feu! Le feu, bien le feu, le feu! Ouais, allez, on met du feu, on met du feu. Ah, c'est nickel ça. Allez, on fout du feu ici aussi, c'est pas grave. Voilà, ça c'est bon ça, ça c'est bon ça. On a de l'arme aussi, on a de l'arme. Nickel, j'ai du bâton. On peut taper du coup avec le bâton. Le chien, le chien, le chien. Paf, paf, allez, on tue le chien. Ah putain, j'ai de la clé là. Je vais prendre la clé, voilà. Tue le chien, putain, tue le chien, bordel. Non, je suis inconscient. Je pouvais passer en plus. Allez, on se dépêche, là. On va faire revenir tout le monde. Je vais passer par là, vite fait. Allez. Oh putain, je suis motivé, là. Motivé pour sortir. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, je veux sortir. I want to go out. Allez. Vite, avant qu'il répare. Je veux sortir. Ma mère m'attend en plus. Putain, j'ai foutu la wall là. Tu vois. Allez, ouvrez-moi là. Open your eyes, open your mind. Ah, il y a déjà reconstruit, enculé. Putain. Bâtard. Putain, bâtard. Voilà, c'est tout reconstruit. Bah, je suis pas content, hein. Voilà, c'est tout reconstruit. Oh là 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 là. Que misère, hein. Du coup, lui, il est mort, ouais. Bon, bah, du coup, qu'est-ce que je peux faire, alors? Bon, l'histoire du feu, c'était pas mal comme idée. Par contre, les sprinklers, bon. Faut dire, en fait, bah, je pense que ta prison a gagné, hein. Face à moi, là, c'est sûr. Que tu as gagné.
Mais j'aurais bien voulu m'évader quand même, faire sortir un bonhomme. Ça aurait été pas mal. Donc je vais ce que je vais faire, peut-être tenter le tout pour le tout. Sortir par la grande porte, parce que là j'arriverai pas. À moins que je mette le feu là-bas. Non, il y avait deux sprinklers, ça marche pas. Allez, on tente le tout pour le tout. Si je meurs, tant pis, j'aurais perdu. Donc je prends tous mes copains. D'ailleurs, c'est pas par là, c'est en bas. Tous mes copains sont avec moi. On va essayer de sortir par la grande porte. Ce que je vais faire, comme j'ai déjà des compétences... Ah non, lui, du coup, il y a quoi comme compétence? Je vais mettre plein de points. Hop. Du rapide, de la résistance. Ça et du mortel, voilà. On va se prendre bien du point. Et on va essayer de faire une sortie par ici. Faudrait que j'ai les clés par contre. Donc pour que j'ai les clés, il faudrait que je tue les mecs. Et je sais pas par où il faut passer après. Hein, en sachant que... Attends, je vais essayer de regarder où ce couloir mène. Ouais, je sais pas du tout. C'est pas grave, on va partir par le bas. On voit que tout le monde y part par en bas. Allez les poteaux, venez. Est-ce que si je le tue lui... Faut bien que je le tue, faudrait que j'ai la clé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gardes déjà. Hein. Les mecs, il y a un repos. À moins qu'on déclenche une émeute. On n'essaierait pas de faire ça, déclencher l'émeute. Et puis après on essaie de se barrer. Ce serait bien, non? Allez, on va se... Vous êtes prêts? Allez, bam, on déclenche. Allez, on se passe. On passe sur le côté, on passe sur le côté. C'est bon, ça tire. Putain, ça rame un peu. Est-ce qu'il y a du truc à ramasser, là? Allez, on essaye tous de sortir, là. Oh, putain. Il y a inconscient, là. Allez, allez, on essaye de sortir. On essaye de le tuer, là. Putain, j'arrête pas de cliquer. Paf, paf. Putain, non, ça marche pas. Et ils sont trop forts, là. Un mort. Oh, tu dégages. Putain, comment je peux faire? C'est vraiment difficile. Je suis même pas certain de savoir m'évader d'une prochaine prison. Vu la mise à jour que c'est, là, c'est beaucoup plus dur. Il faut dire que cette prison est quand même bien foutue. Hein. Bon, l'émeute, ça a pas mal marché. Je suis où? Je suis là. Ils sont tous menottés. Y'a pas des trucs à ramasser là, des fois? Une arme? Non, y'a rien qui traîne. Bon. Allez, c'est quoi? On y va à l'arrache. Allez, paf, paf! Paf, on tue en passant. On tue en passant. Oh putain, ça rame. Ah ouais, d'accord, c'était par là et ensuite à droite. Ok, j'ai repéré le chemin. Par contre, là c'est compliqué. Hein. Moji, que l'incendie. Hop, j'appelle mes poteaux. On peut essayer de faire ça. Hein. On fait une dernière tentative, on se dit. Et puis après, si j'arrive pas, bah c'est pas grave. De toute façon, je pense que j'arriverai pas. Là, j'arrive pas à m'évader. Ce que je propose, c'est donc bah, c'est de mettre un incendie. Avec mes... Par contre, avec tous ces sprinklers, c'est chiant. Bah non, d'ailleurs, c'est pas là. Ah, une émeute quand même. Bon, on va aller participer à l'émeute. Hein. C'est où, là? Oh putain, ça augmente là. C'est bien ça. C'est où? J'entends sur la gauche. On va aller voir. Alors j'espère que c'est dans notre secteur. Hein. On va essayer de voir ça. C'est où que ça se passe là? Il y a plein de morts. 206. Ah, c'est là, ici, à côté. Pas mal. Ça, c'est bien, ça. Ça me va bien, ça. Allez, part, on essaie d'attaquer. On essaie de le tuer, là. J'ai personne, non? Bah, j'ai personne. Lui, il est mort, voilà. Bon. Au moins, c'est liquide. Hein. On va se prendre mieux, on va aller regarder un peu ce qui se passe. 165. Merde, ça baisse. Oh, il va me saouler. Hop, voilà.
Allez, 156. C'est con que c'est pas dans mon secteur. Là, c'est l'heure de la cour, on sait pas trop. Je guette en même temps que tu vois pas une arme par terre. Hein. Faudrait le briquet. Ah, il est là, ok. Voilà. Ça, ça me va bien. Putain, là, ça se bat. Allez, toi, copain, je t'appelle aussi. Viens avec moi. On va essayer de casser des trucs. Pendant qu'il y a les meutes, au moins ils sont occupés à faire quelque chose. Et moi, du coup, je vais essayer de sortir, hein, comme d'habitude. On va essayer de remettre le feu, du coup. Hein. Y a pas un endroit où il n'y a pas de sprinkler, là. T'as pensé à tout, man. Hein. Je suis pas content, moi. Là, tu fais quoi, toi? Tu le ramènes en haut. Ok. Allez, paf. On attaque le sprinkler. On attaque le sprinkler. Tiens, allez, on met le feu, on met le feu. On met le feu, vite fait, vite, 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 le feu. On met le feu. Voilà, un petit peu de feu, un petit peu de feu, c'est bien ça le feu. Allez, on met un peu le feu là, c'est bien ça. Allez, on en met un peu partout, nickel. Allez, on met le feu, on met le feu. Voilà, ça c'est bon ça. Ça, ça me plaît ça, le feu. Voilà, nickel. Allez, le feu se propage. Le feu va se propager. Hop, allez, on met le feu. On met le feu, s'il vous plaît, le feu, le feu. Je veux du feu. J'arrive pas de dire le mot feu, j'ai l'impression. Putain, tout il s'éteint là. Allez, on met du feu, on met du feu. Because I, je veux, I want the, I want du feu, I want du feu. Allez, mets du feu. Putain, c'est éteint. Allez, on met du feu ici, voilà, comme ça il s'approche pas de moi. Nickel. Allez, on met du feu. Tac, voilà. J'arrête le combat. Voilà, comme ça j'ai les points. Pourquoi? Pourquoi j'étais tasé là? J'ai rien fait là. Ouais, c'est tout niqué, c'est tout niqué, c'est tout niqué. C'est niqué et tout pourri. En fait, quand je me suis rendu, le feu il s'éteint, c'est ça en fait. Ouais, donc c'est bah, c'est plus réaliste quoi, c'est nul. Hein. Quand tu te rends, c'est vrai, le feu s'éteint. Bon, voilà. Bon, bah du coup, je crois que je vais me rendre en fait. Hein. Je vais le hisser le drapeau blanc. Car là, je n'arriverai pas à sortir. On peut réessayer par là, hein, mais bon. Pour une émeute ici. Ouais, plein de gueules. Oh, cool. J'ai pas le briquet encore, ouais. On mettait le feu ici, non? Ah, bah non, il y a du sprinkler, ouais, c'est toujours pareil. Bon, bah, les sprinklers, c'est vraiment contre moi. Oh, j'ai pris un paquet de cigarettes, c'est. Voilà. Tac. Oh putain, regarde ça, je peux rien faire. Tac, je fais ça et c'est bon. Allez, lui on essaie de se barrer. Allez, à l'arrache, à l'arrache. Hop, 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 ça passe, ça va passer. Ça peut le faire. Ah non, ça ne peut pas le faire. Est-ce que vous croyez que je vais réussir? Voilà, j'appelle mon copain. Je vais essayer de sortir du coup avec le orange, mais je ne sais pas. On verra bien ce que ça va donner. C'est par là. Putain, il y a du mort partout ici dans cette prison. Donc, c'est par ici qu'il faut sortir. Voilà, c'est pas mal. Allez, ça ouvre, hop, on passe, on se dépêche, on se dépêche. Ouais, c'est bon ça, ça va être ouvert en plus. On attaque personne pour pas se faire tirer dessus. C'est bon ça. Vas-y, il y a moyen, hein, moyen de sortir là. Allez, hop, putain, je me fais attraper. Ah là là. Vas-y, tiens, tu mets de la résistance et du mortel. Ouais, bah voilà, hein. Du coup, je vais... Je sais pas ce que je peux faire, là. J'ai... Je me sens pas l'âme de sortir de cette prison.
avec cette émeute. Ouais, là vraiment, on va accélérer un petit peu. Ça fait 50 minutes, ouais, c'est inadmissible. Ne pas savoir sortir en 50 minutes là. Là, tout le monde est menotté. Les flics savent plus où donner de la tête. Je vais piquer le briquet en passant. Ça peut être utile. Hein. Allez, on tente. On fait la sortie. Hop, on met le feu en passant. On met le feu en passant. Tac, et voilà. J'essaie de mettre le feu en passant en fait, c'est ça. Ils vont pas s'approcher. Hop, on met le feu. Voilà, comme ça ils s'approchent pas de moi. Nickel. On met le feu ici aussi. Merde. Allez. Allez, casse, casse le truc. Casse le truc. Bon, tue-le. Lui. Prends ces trucs, prends ces trucs. Prends la clé, prends la clé. Prends la clé. Putain, je vais me faire avoir là. Allez, on se casse. Putain, eh, je vais savoir sortir en fait. Putain, allez, ouais. Allez. Presque dehors là. Allez, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Ah putain, c'est ouvert. Vite. Putain, je vais réussir. Je le sens bien. Là. Encore une porte. Oh, un peu de ma gueule. Casse-toi, casse-toi. Ah non, ma souris elle tourne. Qu'est-ce qu'il se passe? Allez. Oh putain, ça tire du taz. Ça taz là. Bâtard. Donne-moi la clé, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Oh non, putain, j'étais eu là. Et lui, gros con, il est où hein? Oubliez-le. Bon. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on arrête là? Allez, on arrête là. La prison a eu raison de moi. Je vais me... Faudrait que je me petit suicide, mais... Ça va pas marcher. Oh là. Bon, on va dire que j'ai pas réussi. Alors, je vais vous montrer la prison, comment a été faite. C'est bien la première fois que j'arrive pas, d'ailleurs. Hein. Tac, on va charger ça. Donc, c'est une très grande prison. Comme vous pouvez le voir ici. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le déploiement. Donc vraiment, il n'y a aucun défaut dans cette prison. Hein. Je n'ai vu aucun défaut. Avec plein de portes partout, voilà, des sécurités max, super max, tout ce que tu veux. Ouais, d'accord, le super max était là avec encore plus de gardes. Il y a des gardes vraiment partout. Au niveau des patrouilles, il y a de la patrouille. Non, vraiment, c'est une prison très bien construite. Ah, d'ailleurs, il a utilisé le planning ici. J'ai vraiment rien à dire sur la sécurité. Éventuellement, j'aurais pu essayer de sortir par là, mais c'est pareil, en fait, hein, je pouvais pas. Non, là, vraiment, point sécurité, bah, c'est nickel, quoi, hein, avec cette mise à jour, d'autant plus que c'est encore plus compliqué. Donc, bah, voilà. Donc, du coup, cette prison sera à télécharger, donc, sur le Facebook, comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, aussi, où je parle, bah, des choses que je fais. J'essaye d'être le plus actif possible, en fait, vous dire quand je fais des choses ou quand... Là, actuellement, ça déconne un peu pour capturer la vidéo, donc ça, j'en parle aussi. Et puis, comme ça, on peut interagir ensemble. Il y avait aussi un post ici. Et puis, ça va rendre la chaîne plus vivante, en fait, hein, si vous venez participer aussi. Donc, n'hésitez pas, laissez-moi des pouces en l'air, des commentaires, partagez la vidéo, faites connaître la chaîne à vos amis. Et puis, nous, on va se retrouver donc très vite pour une nouvelle aventure. Et peut-être que j'arriverai à m'évader, hein. On verra bien. Allez, salut tout le monde !